Yo c'est Scratchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, bah, 3 mois de sortie, petit bilan des 3 mois. On va parler également de mon avis sur la nouvelle zone. Enfin bref. Tout ça, tout ça. Avant de commencer, deux petites choses. La première, c'est que euh, je me suis retrouvé avec... Euh, plus de euh, bah, 4 multi pratiquement avec mes euh, gemmes sur la bannière normale grâce à la mise à jour 1.2 et les récompenses qui donnent quand vous passez un personnage une étoile, euh, une étoile et euh, 5 étoiles, je crois. Je me... 5 ou 4... bah, de toute façon, on va aller voir au pire. Mais euh, voilà, j'ai eu pratiquement euh, 4, euh, 4 multi en tout. Donc là, vous voyez une étoile, euh, 3 étoiles. Et 5 euh, étoiles, voilà, donc euh, voilà, je me suis retrouvé avec pratiquement 4 multi. Je commence la vidéo, j'invoque tout ça, tout ça. Et au moment d'exporter la vidéo, je me rends compte de mon le, euh, dans mon logiciel de montage que j'avais oublié totalement d'activer de, de, le son. Parce qu'en fait, vu que maintenant je suis avec un micro sur pied comme vous le voyez là, euh, ma table de mixage qui est là. Euh, donc je pense à l'allumer. Voilà, donc euh, la vidéo pourra pas sortir, parce qu'il n'y a, 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 a pas de son. Il y, 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 y a un petit problème de son, en fait. Voilà, donc c'est un peu la merde. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu euh, Bah, c'est simple. Euh, j'ai eu mon euh, Chong C5. Kiki C2. Euh, ta, 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 ta. J'ai eu euh, Xinyan c, euh, C2. Et j'ai eu que je me trompe pas. Allez où Hop, Ningguan C2. À côté de ça, j'ai obtenu également une nouvelle arme 5 étoiles qui est celle-ci. Enfin une nouvelle arme. Une arme euh, moi, c'est une nouvelle arme mais elle était déjà là. C'est l'épée du faucon qui est ici donc. Euh, donc attaque de base, bonus de dégâts physiques avec ce passif, les dégâts subis augmentent l'attaque de 20 L'âme du faucon de l'Ouest se réveille en brandissant l'étendard de la résistance, restaure 100% de l'attaque en PV et inflige des dégâts équivalents à 200% l'attaque aux ennemis à proximité. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 secondes. Alors c'est une très bonne épée. Euh, le problème c'est que à part euh, Xingqiu, j'ai personne dans mes persos qui utilise une épée à une main à l'heure actuelle. Et euh, Xingqiu, euh, bah en fait le croc suppurant euh, va être violent sur lui. Il augmente les dégâts de la compétence élémentaire de 20%. Et son taux critique de 7,5%. Voilà, en plus en attaque de base et en recharge d'énergie. Ce qui est très bon pour lui, vu que je joue en support DPS. Bref. Euh, donc voilà pour les petites invocations. Ensuite, deuxième chose, alors on va se mettre là. Euh... Ah il y a trois petits trucs. Euh... Ma sucrose est terminée en termes de stuff. Voilà, maintenant il faut plus que j'augmente les, euh... les niveaux des artefacts. Euh, ma euh, Kiki et euh, Barbara, alors comme vous le voyez là, le stuff est pratiquement fini, il lui reste une pièce. Ma Kiki, pareil, il ne reste qu'une seule pièce à changer. Mais je me penche maintenant sur euh, Xinyan, où j'ai déjà deux pièces pour elle qui sont euh, plutôt correctes, voire plutôt bien. Là, on prend celle-ci qui lui donne dégâts, clits at euh, attaque pourcentage, toclite. Pas se plaindre. Et là, j'ai une fleur... Euh... Non, j'ai pas une fleur. Attends, où est-ce qu'il est qu l'autre c'est celui-là, qui donne attaque pourcentage, tocrit, recharge d'énergie, attaque. Si on pouvait avoir un petit dégât crit à la fin, ça serait cool. Mais euh, voilà, Maxinian euh, euh, commence son stuff. Et bien entendu, dès qu'elle est stuffée, on partira en tête. Surtout que j'ai déjà réfléchi à la compo que je voulais faire avec elle. Donc plutôt bien. Et encore une fois, je la trouve vraiment stylée. Donc je vais vraiment la jouer. Je vais vraiment la jouer parce que je la trouve vraiment stylée. Et dernier point avant de parler du reste. Dans les commentaires de mes dernières, de mes dernières vidéos, il y a un truc qui revient assez souvent, c'est... Euh, ouais, il y a, bah, par exemple, avec ma dernière vidéo sur la mise à jour, tout ça, tout ça... Euh, la mise à jour est bien, tout ça, tout ça... Mais on me dit... Ouais, tu, tu te plains trop et tu as toujours quelque chose à redire. Oui. Oui. Oui, euh, Bah, on va rentrer tout de suite dans les détails, avant de passer à mon petit bilan de compte des 3 mois... Qu'est-ce que je pense de nouvelle zone En sachant que j'en suis à 31%, donc on va dézoomer un peu. Voilà, vous voyez le 31 qui est là, là, qui apparaît un peu. Voilà, 31%. Vous voyez que là, il me reste quelques TP à aller chercher, il me reste 4, 5 avec celui-ci. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Alors, la nouvelle zone, franchement, elle me fait plus plaisir que ce que je m'y attendais. Je vais pas vous le cacher. Je suis plus enjaillé et plus, euh, plus heureux d'y jouer euh, que je m'y attendais. Pourquoi Bah parce que ça fait du bien de repartir en exploration d'une zone que tu ne connais pas, ça fait du bien de tomber sur des petites surprises. Notamment ici, euh, sous l'event là, là as une petite grotte, petite surprise. Ici, as une petite surprise, tu t'attends pas à tout ce qu'il y a. Enfin bref, il y, y a pas mal de trucs vraiment bien. La zone est cool. Elle apporte de nouvelles mécaniques qui sont bien et qu'on qu va pouvoir penser pour l'avenir. Tempête de neige, le, le, le malus de froid, tout ça, tout ça. Mais à côté de ça, c'est pas parce que la mise à jour est bien, c'est pas parce que la zone est bien, c'est pas parce que ce qu'ils font... Il y a des trucs bien qu'à côté, on... on peut zapper les points négatifs. Comme je l'ai dit, le recyclage des mobs, euh, comme je l'ai dit, l'event où c'est des trucs qu'on a déjà vus et qui sont simplement un petit peu recyclés, un petit peu différents, surtout dans l'ambiance, mais ça reste du recyclage. Et faut, faut les dire ces points négatifs. Aucun jeu n'est parfait et c'est pas parce que tu aimes le jeu que le jeu est parfait. Personnellement, Genshin, malgré ce qu'on en dit, malgré le problème de cette putains de résine que j'ai utilisé après, euh, à côté de ça, je kiffe quand même le jeu. Sinon, je serais pas dessus. Je kiffe le jeu. C'est ça, ça qui est déroutant en fait. Moi, mon sentiment à l'heure actuelle sur Genshin, c'est le même que j'ai de celui d'Anthem. C'est-à-dire que c'est un jeu coup de cœur. Genshin, franchement, c'est un, un jeu coup de cœur pour moi. Mais je l'aime autant que je le déteste. En thème, je l'aime autant que je le déteste. Parce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et Genshin, c'est pareil. Je l'adore ce jeu. Je kiffe jouer à ce jeu. Mais je le déteste autant. Pourquoi Parce que justement, je peux pas y jouer autant que je veux. Et c'est pour ça, à mon avis, que j'apprécie. Beaucoup plus cette mise à jour que je m'y attendais parce que ça offre des heures de jeu. Sauf qu'à la différence euh, que quand le jeu est sorti, là je prends mon temps. Là comme vous voyez, je suis à 31%. Il me reste des trucs à découvrir que j'ai pas fait. Euh, concernant l'event, euh, celui-là il est déjà bientôt fini. J'ai bientôt tout euh, tout farmé. Hein, dans le détail de l'event. Alors l'acte 1, il me reste ces deux trucs là. Donc euh, 120 fragments de, du FRIMA. Voilà, j'en suis à 66 sur 120. Euh, et là, cristaux du frima, j'en suis à 30 sur 60. Voilà, il me reste juste ces deux petites trucs là. Ici, j'ai tout fait. Et dans la boutique, euh, dans la boutique, il me reste juste ça à acheter que je compte bien entendu à aller chercher. Donc, franchement, la mise à jour fait plaisir. Les cadeaux sont là, il n'y a pas de problème, tout ça. Mais à côté de ça, les points négatifs, faut quand même les dire. C'est même, je dirais, c'est même important de les dire. Parce que c'est justement normalement avec les points négatifs et les retours des joueurs qui doivent et qui peuvent, enfin qui peuvent et qui doivent, je pense, euh, modifier certaines choses dans l'avenir. Encore une fois, le recyclage des events, le recyclage des boss, le recyclage des mobs. Mais à côté de ça, ça n'enlève en, rien, encore une fois, que je prends réellement du plaisir à explorer cette zone. Voilà. Par contre, un point négatif, et oui, je suis désolé, mais là, je vais avoir besoin de vos retours également. Avant cette mise à jour, sur mon téléphone qui est ici, mon P30 Pro Huawei, je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème, c'est-à-dire que mes qualités graphiques que je mettais dans le jeu étaient tous en moyen, 60 FPS, j'avais pas un pet de lag. J'avais pas un pet de lag. J'avais juste des problèmes en donjon où quand il y avait vraiment trop de trucs affichés à l'écran, il y avait euh, un gros coup de lag et je pouvais plus jouer. Il fallait que j'attende que ça débug. Bon, ils ont rajouté l'option euh, enlever les effets des alliés. Ce qui permet d'avoir moins de problèmes euh, lors des donjons. Mais depuis la 1.2 sur mon téléphone, c'est injouable. C'est totalement injouable. J'ai mis tout au minimum. Ça reste injouable. J'ai des lags. Comme c'est pas permis, je peux plus mettre 60 FPS. C'est injouable. Je, je peux pas faire mieux que ça. C'est injouable. J'ai mis une heure et demie euh, jeudi pour faire mes quatre quêtes journalières dont une, j'avais une quête journalière qui se passait euh, ici, pas loin de là, là, où je devais me battre contre le golem euh, des, euh, le gardien des temples, mais volant. Vous savez celui qui est bien casse-couille, tu vois pas ses zones, qui te watchent tes mobs ouais, et tout. Ouais, ouais, sur mon téléphone avec des lags. J'ai mis une heure et demie à faire mes quatre putains de quête journalières à cause des, euh, des lags, des pertes de fps, des bugs. Bref, mon jeu a il a planté deux fois. Ça m'a jamais fait avant jamais, avant cette mise à jour, jamais, donc, point négatif sur ça, je suis désolé, mais il faut les dire, quand même, encore une fois, les points négatifs, et c'est pas parce que vous allez me dire dans les commentaires, euh, parce que je crois qu'il y en a un, il m'a dit, ouais, je te mets un, point, un pouce rouge, parce que, euh, oui, la mise à jour est bien, tu le dis, mais à côté, tu dis trop les points négatifs, Oui, mais il faut les dire, donc si tu veux mettre ton pouce rouge, parce que je l'ai dit, bah, mets ton pouce rouge, si tu veux voir un mec qui a des œillères, et qui veut pas dire, entre guillemets, ce qu'il pense, et pour moi, ce qui est la vérité du jeu, encore une fois notamment au niveau du recyclage des mobs, euh, des events voire même des boss, eh ben va voir un autre youtubeur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Mes vidéos ne sont pas forcées à être regardées. Mais euh, voilà, moi pour moi, dans un jeu, quand il y a des trucs qui sont bien, faut le dire, c'est le cas là, encore une fois, je le redis, la zone m'apporte beaucoup plus de plaisir que je m'y attendais et ça fait plaisir. Je, je je prends du plaisir à jouer. Je prends du plaisir à jouer. Donc c'est vraiment cool. Ce Système d'exploration, un petit truc qui brille, euh, petit secret, petit ceci, petit cela. Bref, c'est kiffant, mais à côté il y a des soucis, il faut le dire. Voilà, et je les dirai tout le temps, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc voilà, pour cette zone, encore une fois, je ne l'ai pas fini encore. Moi, je l'ai dit, je prends mon temps cette fois-ci, enfin maintenant je prends mon temps, j'évite de rusher. Euh, niveau l'arbre permagelé, là, je suis bientôt niveau 3. Pour vous dire, et encore, c'est peut-être parce que j'ai pas déposé celle que j'ai. Mais voilà, encore une fois, je prends mon temps et j'apprécie la zone. Et je trouve que, malgré tout, ils ont très bien bossé. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien bossé. Donc voilà sur ça. Bon, maintenant, mon petit bilan des trois mois. Alors, voici ma box. Donc, j'ai euh, 2,80 qui sont Xinqiu, Shenling euh, et Razor. Ça n'a pas changé. Euh, donc, mes deux euh, compos à l'heure actuelle n'ont pas changé, c'est-à-dire Shenling, euh, Chong, Kiki avec Humber euh, en 4 pour la, zone, euh, la nouvelle zone Mondo Dragon. Parce que tu as besoin d'un archer de feu, on va pas le cacher pour allumer tous les torches, tout ça. Mais sinon, euh, à l'heure actuelle, c'est Petite Sucrose et euh, Petite Sucrose, et surtout quand ces artefacts seront montés à fond. Parce que là, les te J'ai trouvé des, des, des pièces plutôt sympathiques. Ma deuxième équipe reste Razor avec mon Xinq, euh, suivi de Barbara et en quatrième euh, Fischel. Sauf que dans l'avenir, normalement Fischel devrait disparaître pour faire place à Xinian. J'en parlerai un petit peu plus dans ma vidéo justement test de Xinian parce qu'il y a un combo qui peut être assez violent, assez pété. Voilà, le reste de mes persos, bah, comme j'ai dit, hein, c6, c5, c2, euh, je crois que les c1 ou c2, elles me Pff, on, on s'en fout. Quoi. Razor, il est c4, Sucrose, c5, Beidou, euh, c2, c1, euh, Beidou, c1, euh, Beidou, c1, Xinqiu, c1, j'aimerais bien l'avoir un peu plus, Barbara, c6, c2 pour Xinyan, euh, Mona, c0, Fischl, c6, Lisa, c2. Kaya c'est 0, bah, lui bon, bah, c'est 6. Euh... Jonah c'est 3. 26, euh, c'est 0. Clee euh, c'est 0. Noël c'est 2. J'aimerais bien l'avoir plus parce que ça c'est euh, que... le prochain perso que je vais monter. Nigoan c'est 2. Et Bennett c'est 0. Euh, concernant le stuff euh, des armes, alors ça n'a pas beaucoup changé euh, à part celle-là que je viens d'avoir et le croc suppurant en nouveau. Mais j'ai pas modifié mes armes depuis la dernière fois. Euh, donc, euh, si l'espadon prototype est passé sur mon Razor, l'espadon les, euh, chance de clit est passé sur ma parce qu'elle a, a besoin de faire des clits. Le malice prototype, donc le catalyseur, n'a pas changé. Cette fluorescence, toujours sur Beidou. Ce qui a changé, l'espadon rituel est arrivé sur mon Chong. Donc les compétences élémentaires ont 40% de chance de réinitialiser leur propre temps de recharge. Lorsqu'elles infligent des dégâts, cet effet peut être déclenché une fois tous les 30 secondes et c'est qu'un rang 1. Quand il sera plus haut, ça sera mieux. Euh, ça sera bah, comme Sucrose, hein, suc euh, Kiki. Kiki garde son arme euh, épée rituelle. 80%, 16 secondes de temps de recharge. C'est la même chose que l'espadon rituel. Mais bah, c'est l'épée rituelle. Mais hein. version épée une main. Mon qui est toujours avec euh, l'épée de Favonus. Euh, mais du coup, il va changer avec le Cro Suppurant, euh, bah très vite. Hein. Euh, à l'heure actuelle, ma Humber, elle avait avec la dernière corde. Mais bon, euh, Humber, je l'ai mis un peu de côté quand même. Les autres persos, c'est juste que je leur ai équipé des armes et voilà. Euh, sucrose, pour l'instant, je lui ai mis ça. Augmente l'attaque de 48% après un changement de personnage. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes. Parce que ma Sucrose, je la mets sur le terrain, je claque son ulti par exemple et je la switch. Donc je peux la switch sur ma euh, euh, Shenling, ce qui va augmenter son attaque de 48%. Ce qui est bien entendu pas dégueu. Euh, à côté de ça, euh, en termes d'artefacts, bon bah ça progresse. Hein. Franchement, ça progresse pépère. Je sais pas ce que je peux vous montrer de plus. Faut que je pense à refaire de la bouffe. Moi, c'est un truc qu'il faut que je repense. Euh, J'ai ces minéraux, hein. ces minéraux, minerais d'argétoile, bon bah c'est les nouveaux qu'on peut récolter dans la nouvelle zone. Là, j'ai le truc de la bouffe, le téléport, la boussole Anemo. J'ai pas très, très progressé. J'ai pas trop, trop, très, très. J'ai pas trop, trop progressé dans le système d'affection de, des villes, de réputation des villes. Euh, par flemme. Autant être franc, par flemme. Euh, même si le système, je trouve qu'il est bien. Hein. Même si le système, je trouve qu'il est bien. Par flemme, je l'ai pas fait pour l'instant. Faut que j'avance là-dedans. Euh et ici toujours ça, alors ça euh, cristal de prima euh, et fragment du prima, c'est pour l'event et ça c'est pour la prochaine bannière personnage qui m'intéressera, j'en ai déjà 33 de côté, voilà ah oui j'ai 7 résines fragiles, je les garde je les utilise pas à l'heure actuelle, je les garde c'est pour un prochain live, comme ça quand je ferai un live sur Genshin, j'aurai ce qu'il faut donc voici pour le petit bilan euh, qu'est-ce que je m'attends à l'avenir alors à l'avenir en termes de zone en termes de zone, euh, normalement la nouvelle zone c'est pas avant, je dis pas, début février et encore je suis pas sûr pour la 1.3, mais je suis même pas sûr, hein. je, je suis pas sûr de ce que, que j'avance là. Mais en termes de zone, pour l'instant je m'attends à rien. Moi, ce que j'aimerais bien, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent des mises à jour pour améliorer le jeu. Quand je dis améliorer le jeu, c'est encore une fois euh, sur euh, le téléphone, remettre euh, un bon, euh, comme euh, comment dire. Euh, bah que ça lag moins, que ça bug moins, en fait voilà une bonne optimisation. Cherchez le mot, voilà. Donc qui refassent une mise à jour pour optimiser sur le téléphone. n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus par rapport à votre téléphone depuis la mise à jour, parce que moi encore une fois c'est devenu un jouable. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Euh, ah oui, j'ai désinstallé, réinstallé le jeu parce qu'on me l'a conseillé, on m'a dit ouais, désinstalle et réinstalle le jeu. Je l'ai fait aussi, ça n'a rien changé. Euh, mais sinon, moi ce que je m'attends, enfin ce que j'aimerais bien, j'aimerais bien justement qui contre, qui viennent contrer les petits points négatifs que j'ai pu donner dans cette, dans cette mise à jour. C'est-à-dire des nouveaux mobs, des nouveaux boss. Je vais arrêter d'en parler, mais on le dit vite fait. Le système d'énergie. Ah, point positif qu'il faut dire l'event ne coûte pas d'énergie. Tu peux le farm autant que tu veux il ne coûte pas d'énergie. Donc tu peux farm l'event et à côté garder ton énergie pour continuer à jouer. Ça aussi, c'est bien. S'il garde cette politique, c'est bien. Un event sans énergie. Avec une boutique, tout ça, tu peux le farmer. Et à côté, tu gardes ton énergie pour aller jouer. Surtout qu'en plus, je vais le redire, même si j'ai déjà dit, et là on peut le voir un peu plus, euh, je trouve que la boutique est vraiment rentable. Parce que ça, il t'en donne 6 de chaque, si je ne me trompe pas. Euh, comment dire euh, C'est calcul en termes d'énergie. Un donjon qui va te coûter 20 d'énergie va t'en donner 2 en moyenne étant donné 2. Là, il t'en donne 6. C'est comme s'il si faisait économiser 60 d'énergie pour chaque ligne. Sans parler des morasses pour les lignes énergétiques. Et des matériaux d'XP comme ça pour les lignes énergétiques. Pareil, après, on va avoir cette boutique. Euh, donc là, on en a quantité limitée. Bon, on ne sait pas combien. Mais pareil. Tout l'énergie que ça nous fait économiser. Et là, c'est pareil. Là, il, je crois qu'il nous en donne 6 de chaque, 6 livres de chaque. En moyenne, encore une fois, en moyenne, c'est 2 pour 20 d'énergie. Donc, franchement, leur, leur event, c'est le deuxième et leur event est vraiment rentable. Leur event est vraiment rentable. Donc, voilà. Donc, que dire de plus Bah, Rien. Rien. Malgré tout ce que je peux dire, encore une fois, ah, le jeu me fait, me fait rester dessus à côté. Malgré tout, parce qu'il y a des trucs à faire. Donc, on continue un petit peu, même si. Je voulais lâcher, hein, le système d'énergie, je voulais lâcher. Je l'avais dit en vidéo, ouais, s'il y a la 1.2, il ne change rien sur le système d'énergie, je lâche, et tant pis. Mais encore une fois, je le redis, et on restera là-dessus. La nouvelle zone m'apporte beaucoup plus de plaisir que ce que je m'y attendais. Que ce que je m'attendais. Donc, c'est qu'ils ont bien bossé. Voilà. Donc j'attends vos retours dans les commentaires, je vous fais des bisous et je vous dis normalement ce soir en live euh, entre 21h et 22h30, 23h à peu près, parce que c'est un samedi, je ne travaille pas exceptionnellement, donc les heures de live sont exceptionnelles. Donc entre 21h et 23h, c'est un petit, euh, une petite fourchette. On sera sur du Will Rift, on a euh, notre euh, Wukong à passer en top 100, en top 100 serveurs, classement, tout ça, tout ça. Voilà. Allez, des bisous, ciao ciao tout le monde.